La lecture de la parole de Dieu, Simame Koksomaneno la Mungu. Amen. Ephésiens 6, 12. Wa Efeso 6, 12. De Corinthiens 10, 5. Wa Korinto wa pili, 15. Ok. Ephésiens 6, 10. Wa Efeso 6, 10. Nambili. Tunaweza kuanzia ku 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. 1 Corinthiens 10, 4. Je vais commencer au 4e. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. On y va. Wa Efeso sura sita sheria yake ya 10 inaanza ikisema: basi kwa kumaliza mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wake. Vaeni silaha zote za Mungu mupate kuweza kusimama juu ya nguvu ya hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Wakorintho 10:4. Wa pili 10:4. Inasema: maana silaha ya vita yetu si za mwili, lakini zina uwezo katika Mungu kuangusha maboma ya vita, tukiangusha mawazo na kila kitu cha juu kinachonyanyuliwa juu ya elimu ya Mungu, tukitia kila wazo katika utumwa wa Kristo, tukiwa tayari kulipiza maasi yote wakati utii wenu utakapotimia. Amen. Dieu puissant, Père céleste, bénis cette parole ce matin. Nous avons besoin de toi pour qu'elle nous aide à mieux vaincre les démons, les diables et tout ce qui est mauvais, pour que nous arrivions à la sainteté et être prêts à ton retour. Bénis tous ceux qui seront ici, ceux qui suivront et ceux qui l'auront même après aujourd'hui. Que ta parole nous vienne au secours tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Shalom. Shalom. Nous voulons peut-être prêcher l'avant-dernier sujet. Tunataka kuhubiri somo ambalo lilitangulia. Lenye linakaribia kumalizia. Sur la démonologie. Kuhusu maarifa, kuhusu pepo. Exactement. On en a parlé depuis le début. Kweli iliongelewa tangu mwanzo. Dimanche, on ne va pas toucher ça. Jumapili jayo haitagusiwa tena. Parce que nous avons un mariage d'un bien-aimé ici. Sababu tutakuwa na ndoa ya mpendwa hapa. On ira dans des affaires liées à ça. Tutaenda katika mambo yanayohusika na hayo. Mais aujourd'hui, leo, nous sommes dans la partie 4. Tunaenda msehemu ya 4. La partie 4 sur la démonologie. Sehemu ya ine kuhusu maarifa
viens toujours continuer avec la série comment lutter, vaincre les démons. Inakuja kuendelesha namna ya kupigana na kushinda pepo. Nous avons commencé. Tulianza. On a donné des explications. Tukapana mafasilio. Mais aujourd'hui, lakini leo, on va parler de quatre choses. Tutaongelea mambo mane. Comment faire la guerre contre les démons? Namna ya kupiga vita zidi ya pepo. Et n'oubliez pas qu'il porte plusieurs noms. Na msisahau, pepo zina majina mengi. Là-bas, on peut les appeler les esprits impurs. Hapo zinaweza zikaitwe pepo chafu. Esprit impur. Roho chafu. Pepo chafu. Uh-huh. Roho chafu. Uh-huh. Esprit impur. Pepo chafu. Il peut porter le nom d'esprit séducteur. Zinaweza toa jina ya pepo zinazoshawishi. Quand on dit les esprits séducteurs, semwapo pepo zinazoshawishi. C'est-à-dire, ils viennent vers vous. Ni kwamba zinakujia, vous séduire à faire des choses croyant que c'est bon alors que ça vous met en problème avec Dieu. Zinakudanganya kukufanyisha mambo ukiwaza kwamba ni mema kumbe na hazitoki kwa Mungu. C'est pourquoi on les a appelés les esprits séducteurs. Ndio maana ziliitwa pepo zinazoshawishi. Ça vient vous négocier, vous proposer, vous inspirer, vous donner des idées que vous croyez que c'est bien alors que c'est déjà parti. Zinakuja kukuelewesha, zikubembeleze, zikudondoze, zikonyesha kwamba unafanya mema, kumbe na zinakupeleka pabaya. Tu fais des choses, tu dis, non, il n'y a pas de péché quand même, frère. Tu fais des choses, tu dis, il n'y a pas de péché. Ufanyapo jambo, unasema, hii si zambi. Alors que le démon sait lui-même que là, je l'ai déjà eu. Kumbe pepo, na inajua kwamba imekuweza. Là, ce sont des esprits séducteur. Hapo ni pepo zinazoshawishi. Venir te séduire. Kuja kukudanganya. Ils vont prendre le nom esprit méchant. Zitabeba jina ya pepo wabaya. Quand ils viennent te faire le mal. Wakati zinakuja kukutendea jambo mbaya. Maladie. Ugonjwa. Accident. Ajali. Incendie. Kunguziwa. Trouble de foyer. Kuvuruga unyumba. Problème au travail. Shida kazini. Esprit méchant. Ni roho mbaya. Alors, vous voyez déjà, kwamba, ils peuvent aussi prendre le nom des anges de lumière. Zinaweza zikachukua hata jina ya malaika wa nuru. Satan lui-même se fait ange de lumière. Shetani mwenyewe alijifanya nuru ya malaika. Donc, nuru, il apparaît, malaika wa nuru. Il apparaît comme c'est vraiment Dieu. Inaonekana sawa vile kweli ni ya Mungu. Et toi tu crois que vraiment ça c'est Dieu. Na wewe unasema hii kabisa ni ya Mungu. Tu découvriras que ça venait du diable après. Utakuja tambua kwamba ilitokana na shetani nyuma. Ça peut être un rêve. Yaweza kuwa ni ndoto. Une vision. Au ono. Tu vois des choses, tu crois que ça vient de Dieu. Unaona jambo unawazia kuwa latoka kwa Mungu. Ça peut être un message que quelqu'un te dit, Dieu m'a dit. Yaweza kuwa ujumbe ambao mtu anakuelezea kuwa Mungu alimwambia. Alors que Dieu ne lui a pas dit. Kumbe na Mungu mwenyewe hakumwambia. C'est le diable qui l'envoie de te dire au nom de Dieu. Kumbe ni shetani amemtuma aseme kwa jina la Mungu. Ange de lumière. Malaika wa nuru. Et là, na hapo, vous devez discerner tout ça. Yafa upambanue hayo yote. Alors, kwa hiyo, n'oubliez pas, sisahau, nous avons quelque chose qu'il faut dire. Tuna jambo la kusema. Les croyants sont des militaires spirituels. Wa Kristo ni waskari wa kiroho. Dans le livre, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Katika mafundisho kuzivaa silaha zote za Mungu. Au paragraphe 20, il est dit. Kwa mtajo wa makumi mbili nasemwa. Il est dit ceci. Inasema. Je me disais cet après-midi, étant donné que nous clôturons ici cet arsenal aujourd'hui. Nilikuwa nikitafakari wakati tunafikia kumaliza habari hii. Que no? Je pourrais prendre ceci comme sujet. Na ningetoa hii kama somo. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. Kuzivaa silaha zote za Mungu. Soyez équipé. Muwe na silaha. Soyez prêt. Na muwe tayari. Car nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Maana vita vyetu si vya damu na nyama. Mais contre Satan, l'ennemi de Dieu. Bali zidi ya shetani, adui
Il continue, il nous dit, les dominations utawala, et la méchanceté, na ubaya, les esprits mauvais, pepo wabaya, les esprits méchants, pepo wakali, dans les lieux célestes. Katika pahali pa anga, et nous courons vers le but na tunakimbilia kwenye lengo, de la vocation céleste ya mwito wa mbinguni, et nous sommes certainement dans une bataille. Na bila shaka tumo katika mapambano. Nous sommes dans une bataille. Tumo katika mapambano. Je vais vous dire ceci. Nitawaambia hivi. Vous êtes assis et assises ici. Munaka hapa. Aucun de vous dont le diable voudrait qu'il aille au ciel. Hakuna hata mmoja ambaye shetani anapendelea afikake mbinguni. Vous voulez y aller. Ninyi mnahitaji mufike. Mais le diable ne veut pas. Bali shetani hataki. Je dis ceci, ne prenez pas ça comme de la blague. Musizanie kuwa ni mzaha. Vous aspirez le ciel. Ninyi mnatarajia mbingu. Vous voulez l'enlèvement. Mnataka unyakuo. Bravo. Hura. Mais faites attention. Bali fanyeni le hangi. Diable et les démons ne veulent pas. Shetani na pepo zake hawataki hiyo. Si vous kama ninyi commencez à croire, mkizania kwamba allez à l'église mardi, jeudi, kwenda kanisani siku ya pili, siku ya nne, siku ya posho. Qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser? Faites attention. Angalisho. Quand nous venons ici, tujapo hapa, c'est pour faire l'entraînement. Ni kuja kufanya mazoezi. Nous nous entraînons ici. Tunafanya mazoezi on hapa. Nous apprend comment nous allons nous battre. Tunafundishwa namna ya kupigana. Si vous croyez que nous venons à l'église parce qu'on n'a pas où aller, kizania kwamba tunakuja hapa maana tumekosa kwa kwenda, vous vous trompez. Unadanganyika. Si vous croyez que les serviteurs des églises, ukizania kuwa watumishi wa makanisa, gênent les gens en leur disant allez adorer, wanasumbua watu kuambia endeni kanisani mkaabudu. Attention. Fanya hange. Nous sommes devant des choses. Tuko mbele ya mambo mawili. Où c'est le ciel? Au ni mbingu. Où c'est l'enfer? Au ni jehanam. Nous sommes devant des choses. Tuko mbele ya mambo mawili. Où c'est la perdition? Au ni upotevu. C'est la vie éternelle. Au ni uzima wa milele. Nous sommes devant des choses. Tuko mbele ya mambo mawili. La vie que vous avez est limitée dans le temps. Maisha munayo yamo katika muda uliowekwa. Cette vie que vous avez maisha munayo a commencé quelque part, yalianzia fasi fulani, et finira quelque part. Na yataishiaka fasi fulani. Vous n'êtes pas les premiers à vivre sur la terre. Hamuko wa kwanza kuishi kwa hii dunia. Souvenez-vous, kumbukeni, la terre a commencé avant vous. Dunia ilianzaka mbele yenu. Et elle passe. Na ikapita. Et nous passons. Na tunapita. Nous devons nous rassurer tunapaswa que de notre vivant, ya kwamba tunapoishi, de notre période, muda du moment où nous vivions, wakati tulioishi, on a récupéré tout ce qui est nécessaire. Walitwaliwa, tulitwa. Tulitwa, nous avons récupéré tout ce qui est nécessaire. Tulitwa, vilivyo vya maana. Nous avions été entraînés. Tulikuwa tumefunzwa, et nous avons battu. Na, tukajenga. Et si quelqu'un partait, na kama mtu angeenda, il part comme vaillant. Anaenda sawa mshindaji. Parce que sababu, chaque matin qui vient, kila asubuhi ijayo, vous rapproche de votre fin. Inakukaribisha na mwisho wako. Chaque jour que vous voyez le matin, kila siku onapo asubuhi, réduit le nombre de nos jours sur la terre. Inapunguza hesabu ya siku zetu duniani. Nous rapproche du jour du Seigneur. Na inatukaribisha na siku ya Bwana. Et réduit votre quantité de jours pour lesquels vous avez été placé ici. Na inapunguza hesabu ya siku uliwekewa kuishi duniani. Quand vous voyez le prédicateur crier, uonapo mhubiri akilalamika, prêcher, akihubiri, cogner fort, akigonga sana, ils veulent gagner le temps pendant que nous vivons. Anataka akomboe wakati tungali naishi. Hey, ndio. Le diable ne dort pas. Shetani yeye halali. Et les démons ne dorment pas. Na pepo pia hazilali. Pourquoi nous dormons? Kwa nini sisi tunalala? Il travaille 24 heures sur 24. Wana tumika masaha yote ya siku. Les démons n'ont pas de lit. Shetani hawana kwa kulala. Mapepo. Les démons hayana vitanda. Ils n'ont pas de lit. Hazina vitanda. Ils n'ont pas de salon. Hazina pahali pa kukalia. Ils n'ont pas de drap. Hazina vya kujifunika. Ils n'ont pas de chambre à coucher. Havina pahali pa kulala. Ils sont à l'œuvre 24 heures sur 24. Ziko mukazi saa zote za siku. 7 jours sur 7. Siku saba juu ya saba.
un an, mwaka mzima, 12 mois. Miezi kumi na miwili. Et eux savent que les jours sont finis. Na, hazo zinajua kwamba muda inaisha. Ils font tout pour récupérer le grand nombre vers le diable. Zinajitahidi kwamba zipeleke watu wengi kwa shetani. Et les serviteurs de Dieu, tumishi wa Mungu, et les anges, na malaika, et le ciel, na mbingu, travaillent aussi durement. Navyo vinatumika pour sana. Récupérer le grand nombre vers Dieu aussi avant le temps. Ili nao wapeleke hesabu mingi kwa Mungu mbele c'est wakati. Pourquoi c'est l'attraction contre l'attraction. Dio mana ni mvuto hapa duniani. Le diable tire. Shetani anakokota. Dieu tire. Mungu naye anakokota. L'évangile tire. Injili inakokota. Les démons tirent. Pepo nazo zinakokota. Les serviteurs tirent. Watumishi wanakokota. Les démons tirent. Pepo nazo zinakokota. Les hommes tirent du côté du diable. Watu wanakokota ngambo ya shetani. Et les autres hommes tirent du côté de Dieu. Na wengine nao wanakokota ngambo ya Mungu. Ni wakati wewe uko unaona kitu. Faso unakiona. Namna unapo kitu. Hauko siri kama watu wamekiona vile. Hauna uhakika kwamba na wenzako wamekiona. Halafu unaogopa kwamba ça te perdra le temps. Una ona kuwa itakupotezea muda. D'expliquer des choses. Kufasilia vitu. Sur lesquelles vous reviendrez alors que le médicament était donné. Kurudilia vitu na dawa ilishakapaniwa. Ça nous trouble des fois. Mara inatuvuruga. Et je vais vous dire. Na nitawaambia. Le salut c'est quoi? Wokovu ni nini? C'est quand un homme a déjà grandi. Ni wakati mtu alikoma. Qui n'a plus de mauvaises habitudes. Kiwango hana tabia mbaya. Eh. Mm-hmm. Donc, kwamba nibambie hivi. Je vous dirai si tu es à un niveau où. Ukiwa mkiwango kwenye. Il n'y a aucune mauvaise habitude qui est sur ta liste. Hakuna tabia mbaya ambayo iko ku oroza yako. Tu es déjà dans le bon. Kwamba uko naelekea pazuri. Eh, ndio. Unaweza zaifuka. Mhm. Tu peux t'affaiblir. Mhm. Tu peux commettre des petites fautes. Unaweza fanya makosa madogo. Il n'y a aucune habitude mauvaise que le diable a déjà installé dans toi. Lakini hamuna tabia mbaya ambayo shetani ameweka ndani yako. Que les pour laquelle les gens sont inquiétés. Ambayo kuipitia watu wanafadhaika. Eh. Hey, huyu bwana. Eh. Hey. Akiacha hii pepo. Mungu baba. Huyu bibi. Mm. Akibadilika tu kwa hiki. Huyu mm. Mama. Akitoka mtu hii tabia. Je vais sentir cette puissance de Dieu. Nasikia zile nguvu za Mungu. Qui a besoin de délivrer les gens. Ambazo zinapenda ziweke huru watu. D'amener les gens à se retrouver. Zifikishe watu kujielewa. Mais pourquoi tous les jours de querelle avec ma femme? Kwa nini siku zote mafarakano na jamaa yangu? Pourquoi tous les jours? Kwa nini siku zote? C'est mon époux qui est mauvais, mais moi je n'ai jamais vu que je suis mauvaise. Mume wangu ndiye tu mbaya lakini sija jitambua kuwa na mimi ni mbaya. Pourquoi tous les jours mes parents pleurent? Kwa nini wazazi wangu wanalia siku zote? Est-ce qu'ils sont mauvais ou bien c'est moi qui suis mauvais? Ni wao walio wabaya au ni mimi? Pourquoi un garçon comme moi? Kwa nini kijana sawa mimi? Je ne peux pas passer une semaine sans fumer. Siwezi pitisha juma bila kufuta. Donc je suis devenu esclave. Ça, ça, nimekuwa mtumwa wa kufuta. Que je ne peux pas passer là où il y a les chanvres et partir. Siwezi ona kwenye bangi iko niende bila kuigusa. Et les chanvres m'apportera quoi? Sasa, bangi tanifikishaka kunini. Pourquoi dans l'église on sait que c'est moi qui bois? Kwa nini kanisani wanajua kwamba mimi ndiye mulevi? C'est moi le frère ivrogne. Mie njo ndugu mulevi. Et si chaque fois on me donne le micro, tout le monde doit dire, maintenant, attendez-vous, il na, va. Nikiitu hapa mbele madhabahuni, watu wanje kusema, hata atengeneza jambo lingine sipokuwa kulewa. Est-ce que vous m'écoutez? Je, muko nanisikia wandugu? Pourquoi dans cette église on doit dire cette fille là qui aime trop les garçons c'est elle? Kwa nini kanisani humu waseme binti anayependa vijana ni fulani? Donc vous les garçons de l'église si vous ne faites pas attention vous allez vous retrouver sur elle sans le vouloir. Elle fait tout pour amener même les gens à pécher sans le vouloir. Kwamba ninyi vijana msipofanya hange mtajikuta umeambatana naye sababu atajisirita kuwewe bila hata wewe kutaka. C'est son habitude. Maana ni tabia yake. Quoi? Nini? Être esclave. Où est mtumwa? Tous les jours. Siku zote. Alors que Christ a mené la délivrance. Yabidi Kristo akufungue. Christ a mené la délivrance. Na Kristo alileta ufungulivu. Golgotha n'est pas venu pour rien.
Golgotha haikuja kwa bure. Pourquoi aller en enfer pour une habitude qui ne t'a même pas donné de l'argent? Kwa nini uendake jehanamu kwa tabia ambayo kukufanya uwe tajiri? Tu es pauvre? Wewe ni mkosefu? Tu souffres? Unateseka? Pas comme même les gens qui iront en enfer et y a mangé. Si kama wale watakaoenda motoni na walikula. Et puis tu entres en enfer. Na wewe unaenda motoni. Quand tu seras avec des grands patrons américains. Utakapokuwa na mabosi wa Amerika. Dans l'enfer. Motoni. Tu auras souffert pourquoi? Utakuwa umetesekea nini? Inhabitude. Sababu ya tabia. Dans l'église on sait que kanisani na julikana. Ces garçons qui donnent de vœux, c'est elle. Kijana naye pana manaziri kwa binti ni fulani tu. Donc toi, kwamba on wewe, sait que ton habitude, wanajua kwamba tu as un démon, una pepo, de promettre plusieurs filles au même moment. Ya kuahidia wa binti wengi kwamba utawaoa. Un démon de fausses promesses. Pepo ya kupana ahadi za uongo. Et quand on entend que tu commences à négocier une fille pour la marier, wasikiapo wapatapo habari ya kwamba unaanza zoea binti kwa kumuoa, les gens tirent la conclusion, on dit, watu wanatia kistari na kusema, na ule naye atamwacha. Même celle-là, il la laissera. Ah oui, oui. C'est comme ça que ces garçons. Maana ndio tabia yake. Et le lendemain, on va dire, na kichwa yake watasema, on vous a dit. Si tuliwaambia, on vous a dit. Tuliwaambia kani. Nous connaissons ces garçons. Si tulijua tabia yule. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Muwekwe huru. Hein? Dans l'église, kanisani, tu as déjà un nom. Umekwisha kuwa na jina. Cette femme là qui s'habille mal. Yule mke avae namna isivyofaa. Quand on commence à dire, ah, mimi namuona na falaka tu ya kumubana tu. Ah, je me souviens d'elle. Elle s'habille toujours des habits serrés. Nous la voyons. Ah, c'est elle, c'est elle. Donc c'est devenu ton habitude. Kwamba imegeuka kuwa tabia yako. Non. Hapana. Christ est venu avec la délivrance totale. Kristo alikuja duniani na ukombozi mkamilifu. Tu n'as pas droit de rester esclave. Hauna haja kubakia mtumwa. La femme, ewe mke, doit rester avec un homme qui n'a pas des habitudes mauvaises. Anapaswa bakia na mume ambaye hana tabia mbaya. Quand tu demandes à la femme, unapouliza mke, quelle est la mauvaise habitude de ton époux? Tabia mbaya ya mume wako ni gani? La femme dit, mke anajibu, sauf des petites failles humaines, mais je ne vois pas. Isipokuwa tu makosa ya binadamu, sioni tabia mbaya. Et ton époux? Na mume wako? Non. Naye akushuhudia aseme, il peut faire des petites erreurs humaines. Anaweza mke wangu kufanya makosa kama mtu, lakini pas de mauvaises habitudes. Ha, tabia mbaya. Il est délivré. Lakini afunguliwe. Il est délivré. Ni kwamba alishaka vous entrez dans l'église. Unapoingia kanisani. Telle sœur, vous la connaissez? Aïe. Non, connais ce. Unafahamu dada fulani? Ndio, namjua. Akikutembelea tu mutatubu kesho tu. Ah. Si elle t'a visité aujourd'hui, demain vous vous repentirez. Chaque fois qu'il arrive chez vous, c'est commencer à parler des autres. Kila mara anapokutembelea atakuletea habari za kuteta wengine. Alléluia. Amina, amina. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il faut délivrer? Sasa mutasema tuombe vya wapi? Vous n'avez même pas besoin. Hamuna haja de le dire à d'autres. Kuiambia wengine. C'est vous personnellement. Wewe mwenyewe. Et Dieu. Na Mungu mbinguni. Et un jour tu te lèves, tu dis, siku moja unasimama, moi-même j'irai chez les hommes de Dieu. Nitawaendea watu wa Mungu. Je vais leur dire de me délivrer de ça. Nitawaambia waniweke mikono kwa hiki. C'est toi qui connais ta maladie. Wewe ndio unajua ugonjwa wako. Vous avez besoin du discernement. Muna haja upambanuliwe. Vous avez besoin du discernement. Muna ngojea tu Noe. Nitapita mshambre de don. Nitaenda kwenye watu wa makarama. Nisikie kama Mungu atanisemako nini? 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 Na unajijua mwenyewe? Bakupambanue nini? Zamiri yako haiko. Zamiri yako haikwambia ta conscience ne tu as besoin de passer dans la chambre de discernement pour qu'on te dise de quoi tu souffres. Et ta conscience est où? Zamiri yako iko wapi? Alors, celui qui doit vous délivrer doit aussi avoir cinq choses. Si tu ne trouves pas ça dans lui, ne le dis pas de te délivrer.
tano ndani yake usimwambie akombe. Première chose, ya kwanza, être lui-même délivré. Yeye mwenyewe awe alishakawekwa huru. C'est pourquoi vous qui entrez dans des églises sans savoir les serviteurs qui y sont, ils ont quel niveau, vous aurez toujours des problèmes. Ndio maana mnaoendea makanisa bila kujua wahuduma wa mule wako mkiwango gani utapata matatizo. Vous suivez des serviteurs dont vous ne savez même pas leur niveau spirituel. Unafuata watumishi ambao hamjue kiwango chao cha kiroho kiko wapi. Deuxième chose, jambo la pili, celui qui vous délivre doit avoir pitié de vous. Mwenye anakuombea anapaswa kukusikilia huruma. Un ministère huduma de délivrance, ya kuombea watu, un don de délivrer les gens, kipawa cha kuwekwa kuombea watu, est toujours accompagné de la pitié. Inasindikizwa kana huruma. Avant de délivrer quelqu'un, mbele ya kuombea mtu, avant de prier pour quelqu'un, mbele ya kuombea mtu, sentez d'abord la pitié. Musikilie kwanza huruma. Si vous n'avez pas pitié de lui, laissez-le. Usipo musikilia huruma, muache. Amen. Amina. Et puis, kisha, il doit avoir la foi. Mwenye kukuombea mwenyewe anapaswa kuwa na imani. Parce que s'il veut te délivrer, sababu akitaka kukuombea, que lui-même doute, autant mieux laisser. Yeye mwenyewe awe na mashaka, ni heri akuache. Et la quatrième chose, na jambo la nne, il doit chasser avec autorité. Anapaswa fukuza pepo na mamlaka. Ordonner. Stop! Kwamba itoke. On ne parle pas aux démons en les chassant en blaguant. Hawezi fukuza pepo ukibembeleza. Et cette personne-là, ule mtu, doit être capable. Awe na uwezo. Ou vous-même. Ah, wewe mwenyewe, de vous faire encadrer par la personne ou par les autres, mais dans la parole de Dieu. Uhudumiwe na mtu, na yule mtu iwe ni muneno la Mungu. Même si ce n'est pas lui qui continuera à te prêcher. Hata kama haiko yeye atabaki akikuhubiri. Mais restez dans l'encadrement spirituel. Bali ubakie katika huduma ya kiroho. Quelqu'un va te délivrer. Mutu atakuwekea mikono. Après quoi il part dans le monde. Kisha anaenda mukidunia. Tu le rencontres le lendemain. Unamkuta kesho yake. Il est par terre. Iko chini. Le découragement peut t'amener à rechuter. Vivunja moyo vinaweza kurudisha mumaanguko. Shalom. Shalom. Donc, le diable a déjà lié trop de gens. Shetani alishaka funga watu wengi sana. Alors, sasa, je passe la partie qui est très petite. Na elekea sehemu ambayo ni ndogo. Quand le diable attaque, wakati shetani anashambulia, vient attaquer dans les gens. Anakuja kukushambulia ndani ya watu. Là, c'est très simple. Hapo ni rahisi. Shetani, le diable peut attaquer ouvertement dans les gens. Shetani anaweza kukushambulia waziwazi ndani ya watu. Il peut attaquer secrètement. Anaweza kushambulia kwa siri. Il peut attaquer sous forme innocente. Anaweza kushambulia kwa hali ya yenye haionekane mu makosa. Ziko njia tatu shetani anatumikisha mu watu tatu. Mtu anakuchukia bien, mzuri sana. Quelqu'un te et il te le montre ouvertement. Anakuchukia na unaviona waziwazi. Na unakuwa naona hiyo fulani akinipata na mpanga naweza nikata. Ndio. Tu as un chef. Una mkuu. Il te hait et tu sais que tu travailles avec quelqu'un qui te hait. Anakuchukia na unajua kwamba una bosi mwenye kuchukia. Donc tu es sûr que unahakikisha moindre geste il peut même te tuer. Kadogo tu nakukua naweza kumaliza. L'autre peut te haïr. Mwingine anaweza akakuchukia. Sans te le montrer. Bila kuikuonyesha. Il le saura par les autres, par les actions, mais sans te le montrer ouvertement. Utawijuia kwengine bila wewe kujua. Et l'autre, na mwingine, peut être comme si vraiment c'est un ami. Anaweza onekana kwako kuwa ni rafiki. Il n'a pas de mauvaises intentions. Hana nia mbaya na wewe. Mais il va t'amener dans le péché sans que lui-même ne sache que c'est un péché. Lakini atafikia kufikisha muzambi wewe na ujue kama ni zambi anakubeba ndani. Delila pour Samson. Delila kwa Samsoni. Vraiment Delila. Delila yeye. C'était de l'amour. Ilikuwa tu ni upendo. Mais la voix c'était la mort. Sorry? La voix c'était la mort. Njia ilikuwa ni ya mauti. Aha. Alors,
Voilà comment vous allez combattre ces esprits d'aléa. Ona sasa namna mtapigana na zile pepo. Première stratégie. Mbinu ya kwanza. Quand il y a un complot contre toi. Wakati kulifanyika mazungumzo zidi yako. Njama. Njama. Utilise les jeunes. Fanya mafungo. Tu apprends que les gens sont en train de comploter contre toi. Unasikia kwamba watu wana njama zidi yako. Wanakupangia. Uh-huh. Anza mafungo. Ndio. Esther a gagné. Esther alishinda. Mordecai a gagné. Mordecai akashinda. Daniel a Babylone a gagné. Daniel et Babeli alishindaka. Un complot. Wanakupangia. Un complot. Wanakupangia. Le diable utilise les gens pour comploter contre toi. Shetani anapanga watu wakupatanie. Ces démons peuvent être vaincus par les jeunes. Zinaweza shindwa kwa mafungo. Deuxième attaque. Chambrizo la pili. Jalousie. Oui, vous. Il a découvert qu'il y a quelqu'un. Umetambua kwamba kuna mtu. Ou quelqu'une. Au mama. Qui te jalouse. Anaye kusikilia wivu. Voilà la solution. Suluhu ndio hii. Ça a été utilisé par David vers Saul. Ilitumikishwa na Daudi kwa Sauli. Ça a été utilisé par David lorsqu'il était dalle devant la jalousie du roi. Ilitumikishwa na Daudi alipo shambuliwa na wivu ya mfalme Sauli. Abel est mort parce qu'il n'avait pas compris que Caïn était devenu jaloux. Abel alikufa kwa sababu hakuelewa kwamba ndugu yake amemsikilia wivu. Caïn. Abel a pensé que c'est mon grand frère, c'est mon grand Abel frère. Abel akawazia kwamba ni nduguye na akafikia kufa. Kati est en train de faire face au démon de la jalousie. Wakati uko na pambana na pepo ya wivu ndani ya watu. Prends un peu de distance. Ujiweke mbali. Prends un peu de distance. Ujiweke mbali nao. Après, kisha, prends des précautions. Kamata mipango. Ne sois pas très respectueux déjà et honteux jusqu'à manger même les poisons. Usiheshimie watu sana hadi wafikie kukupa na sumu na huku naona. Juu ya watu na haya. David jouait comme ça. Daudi alikuwa akipiga nzenze. Il joue la guitare. Anapiga nzenze. Anapiga mfalme. Il entre dans l'onction mais il surveille les mains de Saul. Alikuwa akiingia mupako na iko anachunguza mwenendo wa Sauli. Les garçons jouaient. Kijana alikuwa akipiga nzenze. Mais il regardait comment Saul devait jouer sa main. Na akifuata namna Saul ataelekeza mikono yake. Et quand Saul pouvait prendre la lance. Wakati Sauli Daudi aliona Sauli akishika mkuki. David jouait en train de chercher comment il peut échapper. Daudi alicheza kitafuta namna ya kukwepa. La Bible dit. Biblia inasema. Que plusieurs fois il faisait pa et David faisait comme s'il jouait il sautait. Mara Sauli alipo la lance frappait le mur. Daudi alikwepa akaweza akiwa anakwepa. Faites attention. Fanya angalisho. Jouer cheza dans vos familles. Katika jamaa zenu. Dans vos travaux. Kazini mwenu. Mais quand les démons de la jalousie montent. Wakati pepo za wivu zinainuka. Surveillez chaque mouvement. Chunguza kila mwendo. Tu peux manger le poison même dans ton mariage. Unaweza kula sumu na harusi yako. Par la honte. Sababu ya haya. Est-ce que vous m'écoutez? Je muko nasikia. Tu vas prier, oui. Utaomba ndio. Tu vas jeûner, oui. Ndio utafanya mafungo. Mais surveiller. Lakini chunguza. Surveiller. Uwe macho. Et ne cherche pas à te venger. Na. Usitafute jilipishia kisasi. Parce que quand on avait dit à David, il est là, tion le l'a dit, je ne le ferai pas. Sababu, Dieu va me Daudi venger. Alipoambiwa kwamba adui wako ndio ule, mwangamize, akasema hapana, Mungu atanilipishia kisasi. Tu es dans une famille. Uko mujamaa. Tu sais qu'il y a trop de problèmes. Unajua una mizozo mingi. Une personne qui t'a fait la guerre plusieurs fois. Mtu mwenye alikupigaka vita mara mingi. C'est pas qu'elle est sauvée. Si kwamba aliokoka. Un jour elle t'appelle. Un jour elle t'appelle, elle te dit, mangez, tukule, buvez, tunywe. En tout cas j'ai égorgé cette poule pour toi. Leo nilikuchinjia ijogo. Attention. Hange. Surveillez. Chunguza.
Est-ce que vous m'écoutez? Je, muka mnasikia. Tu es dans un travail avec quelqu'un. Unatumikaka na mtu. Il a une porte. Iko na mlango. Tu as une porte. Na wewe uko na nyingine. Il te hait. Anakuchukia. Tu le sais. Unaijua. Un jour il te dit. Siku anakuambia. J'aimerais voyager avec toi le lundi. Ningependa siku moja nisafiri na wewe. Comme ça on va aller avec toi quand nous tous on ira aller acheter des marchandises. Wakati tutakaponunua biashara twende pamoja. Dites-lui, mwambie, je ne pars pas le lundi, je partirai un autre jour. Sitaenda ile siku ulipanga kwenda, mimi nitaenda siku nyingine. Surveiller. Chunguza ye. N'allez pas dire à l'église, marama mi naona Mungu anageuza roho yake. En tout cas, alimugeuza sika liokoka. Il est sauvé maintenant. Surveillez. Chunguza. Ok? Sapa. Amina. Parce que les démons entrent dans les gens pour te nuire. Sababu. Pepo zinaingiaka ndani ya watu kwa kukusumbua wewe. Ok? Sawa. Démons de calomnie. Pepo ya luteta. Na mashtaka ya uongo. Tu trouves quelqu'un tous les jours, il monte des histoires sur toi. Utaona mtu mwenye kueleza mambo mabaya zidi yako. Tous les jours, il monte des fausses histoires sur toi. Kila siku anaendaka na kusingizia. Le diable l'utilise pour salir ta réputation. Shetani anamtumikisha achafue jina lako. Même pour des choses que tu n'as pas fait. Hata na ku vitu ambavyo hukufanya. Tu es conscient que tu es innocent. Wewe unajua kwamba hauna hatia. Faites attention. Fanya hange. Le secret, siri, c'est lequel? Ni ipi? Sois comme Daniel et Paul. Uwe sawa Daniel na Paulo. Organise des moments où tu vas lui parler devant un témoin. Uwe na muda kwenye utamuongelesha na shahidi iko. Tu lui dis tel. Mwambie fulani. Il a dit telle chose. Ulisemaka mambo fulani. C'était faux. Ilikuwaka uongo. La vérité c'est ça. Kweli ndio hii. Tu as dit ça. Ulisemaka hivi. La vérité c'est ça. Kweli ndio hii. Je trouve que c'est ça ton habitude. Nimekuta kuwa imekuwa tabia yako. Est-ce que tu peux changer? Ndugu, unaweza badilisha? Maintenant j'ai déjà découvert que tu es programmé à me faire du mal par ça, ça, sababu ça. Sababu nilishapata habari ya kwamba umepanga kunifanyia hivi. Il y a des démons qui ne font plus le mal lorsqu'ils découvrent que vous les avez découverts. Kuko pepo zenye haziwezi kukuzuru wakati zinatambua kwamba zinajua kwamba umezigundua. Mais dans l'esprit de prière. Lakini uwe katika roho ya maombi. C'est pourquoi lorsque Paul se trouvait devant les pharisiens. Wakati Paul alikuwa mbele ya Farisayo. Il expliquait tout. Alikuwa anaeleza yote. Jusqu'à ce que le roi Agrippa disait. Mpaka mfalme Agrippa alisema. Tu risques de me convaincre d'être croyant. Unaweza kunigeuza niwe muamini wa maneno yako. Il dit non. Akasema pana. Tu peux ne pas être croyant mais à l'exception de ces chaînes. Tu peux être croyant mais pas comme moi. Unaweza kuwa muamini bali usiwe kwa minyororo kama hii yangu. Défendez-vous quand c'est le moment. Jitetee wakati ni muda. Quand vous trouvez que l'esprit vous dit de vous taire. Wakati unasikia roho anakuagiza kwamba unyamaze. Taisez-vous. Nyamaza. Plus vous allez vous défendre, plus vous allez allumer le feu. Kadiri utajitetea na utawasha moto. Alors vous devez suivre qu'est-ce que l'esprit vous dit sasa de faire. Sasa unapaswa fanya roho anakuongoza ufanye nini? OK? Vema. C'est ça le fait de combattre les démons de la calomnie, même de l'hypocrisie. Hiyo ndio namna ya kupigana na hizo pepo za lufuatano. Delila qui vient. Delila naye kuja. Oh, je t'aime. Ni nakupenda Samson. Je t'aime. Nakupenda. Mais Samson connaît que Samson anajua. C'est de l'avoir. Ni kwamba ampate. Si Samson lui aurait dit. Samson angemwambia. Je sais que tu me cherches moi. Ninajua unipendi unatafuta uzima yangu. Je sais que tu veux ma mort. Najua unataka kufa yangu. Je ne te dirai jamais le secret de ma force. Sitakwambia kasiri ya nguvu zangu. Samson ne serait pas mort. Samson hangekufa. Mais quand il commençait à dire, lakini alipoanza kusema cheveux, nywele, presse, soko, câble, kamba, on ne donne jamais à l'ennemi ce qui est apparenté à ta force. Au usifunue yenye bina karibiana kufanana nguvu zako. Mbona mimi nakudraga ka unakatala kila siku? Ni juu ya nini? Atidi, mimi nakuwa kaser. Ataingia hapa. Il viendra ici. Pour que kupate bien. Hiyo. Utakona kuambia nishakuwa frère. Tunaweza sasa endelesha.
Mais si tu lui dis ni zambia usharati sitaki. Faut gagner le diable par la parole. Yafa kushinda shetani kwa neno. Jésus a dit il est écrit. Sababu Yesu alisemaka imeandikwa. Il est écrit. Imeandikwa. Ne font pas dire mimi nakusanyikaka kweli betele bana bitukatazaka. Mimi njo mimi nabikukatazaka wala ni neno. Ehe. Faut pas dire à El Betel on nous interdit. Quand il croira que c'est El Betel qui t'interdit, il t'aura. Mais quand il lui dit la parole de Dieu dit non, ou je le fais, je pars en enfer, ou je laisse. Pourquoi vous ne voulez pas défendre la parole? Kwa nini amupenda ke tete ya neno? Amen. Amina. Shalom. Shalom. N'accepte pas usitike le diable de te faire avaler le péché par Shetani. La parole. Akumezeshe zambi kwa sababu ya haya. Maintenant, lorsque c'est la maladie, je termine. Sasa namalizia kwa yenye kuhusu magonjwa. Un. Moja. Il faut la repentance. Yafa kutubu kwanza. Ne priez jamais pour un malade qui ne s'est pas repenti. Usiombeake mgonjwa mwenye haya tubu. Je suis à la fin, je suis ici. Na karibia mwisho. Maladie attaque, je suis ici. Na karibia mwisho. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Peu importe combien on a prié pour vous, Haidali, cela ne vous quittera jamais tant que cette chose-là n'aura pas été arrangée. Haijalishi wamekwisha kuombea mara ngapi, ugonjwa hautakutoka wakati jambo lile ulifanya au yatengeneza. Vous pouvez trembler, unaweza tetemeka, imposer les mains, wakuwekea mikono, déverser de l'huile, wakumwangia mafuta. Cela ne quittera pas, ça reste là. Ça restera la même. Toka, itabakia pale hata hivyo. Développez l'habitude de nous aider nous quand nous prions pour vous. Repentez-vous. Muwe na tabia ya kusaidia watumishi wanapowaombea. Muwe kwanza munaanzia kutoba. Tu sais que tu as commis des dégâts. Unajua ulifanya mazao. Tu viens devant les serviteurs. Unafika mbele watumishi. Priez pour moi, ça fait mal ici. Muniombe naumia hapa. Commencez à dire. Anza kusema. J'ai à me repentir. Niko na vya kutubu. J'ai fait ça. Nilifanya j'ai fait ça, nikafanya j'ai fait ça, nikafanya que Dieu me pardonne. Mungu anihurumie. Vous pouvez prier pour moi? Munaweza niombea watu wangu. Ndipo. Ne fatiguez pas les gens, c'est vous qui souffrirez. Musichokeshe watumishi, na nyie ndio mtateseka. Deuxième stratégie. Mbinu ya pili. Oindre l'huile. Kupaka mafuta. Marc 6:13. Nous, ne vous étonnez pas si vous trouvez dans l'église, le serviteur dit, on va vous oindre l'huile. Musishanga ake wakati siku moja, watumishi watakuja hapa na mafuta kukuambia wagonjwa, tutawapaka mafuta. Nous avons été habitués dans une église que je ne cite pas le nom, on met de l'huile sur quelqu'un qui va mourir. Musi. Kuko kanisa mwenye yenye sitata ya jina, hapo wanapakala katu mafuta mwenye wanaona kama atakufa. Ndiyo. Munaijua sitaisema hapa. Ndio. Mais l'huile peut être ointe à quelqu'un qui sera en vie. Mtu anaweza pakaliwa mafuta na anaombewa na atapona. Autre chose. Jambo lingine. On peut prier pour le linge des malades. Wanaweza ombea nguo ya mgonjwa. Et on le lui impose, il porte ça, il est guéri. Wanaimweka hako na naivaa na napona. Et une autre chose. Jambo lingine. Vous devez avoir l'habitude de jeûner. Munapaswa kuwa na tabia ya kufunga chakula. Et de prier. Na ya kuomba. Chaque fois que vous avez de requêtes contre les attaques. Wakati uko na mahitaji ya mashambulizi. Parce qu'on dit. Sababu cette inasemeka. Sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Aina ya pepo hizi hazitokake isipokuwa ni kwa mafungo na kuomba. Alors voici la conclusion, je termine. Sasa kwa jumla na maliza. Chaque fois que tu verras ces quatre choses. Kila wakati utakapoona mambo ine haya. Tusa. Haya yote. Il y a trois secrets. Kunazo siri tatu. Se sanctifier. Kujitakasa. Prier. Kuomba Mungu. Et jeûner. Na kufunga. Et trois. Na ya tatu. Gardez la foi que même si la réponse tarde, elle viendra. Chunga imani ya kuwa hata kama jibu alijakuja lakini litakuja tu. Mauvaise pensée. Mawazo mabaya. Sanctification. Utakaso. Mauvaises habitudes. Tabia mbaya. Sanctification. Utakaso. Prière de délivrance. Maombi ya kuwekwa huru. Les gens veulent t'attaquer. Watu wanakushambulia. Jeûne prière. Fanya mafungo na uombe. Prendre des dispositions. Kamata mipangilio. Et avoir la foi que le diable sera vaincu. Na uamini ya kwamba shetani atashindwa. Attaque maladie.
Shambulizi na magonjwa. Prière. Maombi. Jeûne. Mafungo. Foi. Imani. Sanctifie-toi. Jitakase. Le diable ne peut pas résister là où il y a ces trois choses. Shetani hawezi simama kwenye mambo matatu haya yako. Courbons la tête. Tuinamishe vichwa vyetu. Amen. Je vais poser une dernière question. Nitauliza ulizo la mwisho. Fais ton inventaire. Fanya uchunguzi wako pekee. Parce que les prières futures, maombi ajayo, yenye haiko ya leo, ndio. Il y a un jour nous appellerons maintenant les gens. Kuna siku tutaitaka watu pour venir seulement à la séance de délivrance. Waje tu wafanywe maombi ya ufungulivu. Ceux qui n'auront pas de requête de délivrance resteront chez eux. Hawakuwa na hitaji za kufunguliwa watabakiaka kwao. Nous appellerons seulement les gens à venir à la séance de délivrance seulement. Tutaitaka tu watu wanaohitaji maombi ya kufunguliwa. Et je vous annoncerai ce jour. Na nitawatangaziaka ile siku. Et ça sera public mais secrète. Itakuwaka ya hazarani lakini ya siri. C'est-à-dire comment? Itafanyikaka namna gani? Ce jour-là les serviteurs vont s'asseoir. Iyo siku watumishi watakaa. Chacun passera devant les serviteurs. Kila moja atapita mbele watumishi. Il leur dira sans que les autres n'écoutent, il veut être délivré de quoi? Atawaambia bila wengine kusikia anataka fanyiwe nini? Et les serviteurs délivreront les gens un à un. Na watumishi wataombeaka maombi moja kwa moja. Cas par cas. Kesi kwa kesi. Peut-être tu viendras avec tes enfants. Kuna wenye watakujaka na watoto. Peut-être tu viendras avec ta femme. Wengine utakujaka na mke wako. Peut-être tu viendras seul. Huenda utakuja wewe mwenyewe. Mais l'essentiel, ya maana, c'est que ce jour-là, kwamba siku, nous attaquerons les choses qui semblent être des habitudes. Tutashambuliaka vitu ambavyo vinaonekana kuwa tabia. Je vous donne ce devoir à domicile. Nimewapa kazi hiyo ya nyumbani. Allez les identifier maintenant chez vous. Mwende muzichunguze nyumbani. Je vous annoncerai la date. Nitawatangaziaka tarehe. Ce jour-là, ile siku, nous viendrons tutakuyaka, et à prier, tukiwa tuliomba, étant dans les jeûnes, tukiwa mumafungo, nous allons brûler tout ce qui passe. Tutalunguzaka kitakachopita. Nous brûlerons les choses. Tutalunguzaka vitu. C'est pourquoi, ndio maana, allez vous évaluer. Mwende mujichunguze wenyewe. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous le dise. Hauna haja uyamiliwe na mtu. Mais pour l'instant, kwa wakati huu, prions tous tuombe sote pamoja, une courte prière maombi mafupi, pour dire à Dieu, kwambia Mungu, je ne veux pas être l'habitation des démons sitaki niwe makao ya pepo wachafu, par des fausses habitudes. Kupitia tabia mbaya. Dites, sema, je vais garder mon chiffon. Nitachunga kivutaji. Chaque fois que la pensée mauvaise viendra, kila mara wakati mawazo mabaya atakuja, je vais renverser. Nitayaangusha. Si tu es malade, ikiwa unagonjwa, ta guérison est là où tu es. Uponyaji ni karibu nawe. Parce que Christ a payé tout au Calvaire. Sababu Kristo alilipa yote Calvary. Christ a payé. Christo alilipa yote. Pendant que les serviteurs seront en train de prier, wakati watumishi watakuwa wakiomba, la maman passe comme ça. Faites passer comme ça, c'est mieux. Pendant que les serviteurs seront en train de prier, wakati watumishi watakuwa wakiomba, touche là où ça fait mal. Gusa kwenye unaumia. Nous serons en train de prier pour ta maladie. Tutakuwa tuko naombea ugonjwa wako. Amen. Prions, on y va. Tu ombe. On y va. Tu ombe. Merci Seigneur. Asante bwa. On y va, serviteur de Dieu. Watumishi wa Mungu, simameni muombe. On y va. Tu ombe. Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. Merci de ta volonté. Asante. Merci de ta grâce. Asante kwa neema yako. Viens pour nous. Kuja kwetu. Donne à chaque frère, chaque sœur son frottoir de repentance. Patia kila ndugu na dada kivutaji ya toba. Renverse les mauvaises choses. Angusha mambo mabaya. Transforme les mauvaises habitudes. Badilisha tabia mbaya. Accorde-nous la vie éternelle. Tupatie uzima wa milele. Ce qu'il faut faire au combat, wanao pambana, qu'ils soient des victorieux. Wanao pigana wa ndaji. Ma sœur, mon frère malade, ndugu dada anagonjwa, qu'il reçoive la guérison. Apokee uponyaji. Nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Maladie sort. Ugonjwa ondoka. Sort. Toka. Sort. Toka. Sort. Toka.
ton nom, notre Jésus-Christ, sors. Toca. Sors.